Shalom, shalom. Shalom, shalom. Alléluia. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus. Peuple de Dieu, vraiment, la mission de Conakry est en train de terminer. Voilà, nous voulons passer à l'autre étape. Donc, nous sommes en train de préparer nos bagages pour Sigri. Mais aussi, nous voulons aussi partager quelques réalités, les réalités du terrain. Effectivement. Avec le peuple de Dieu. Vous voyez, tous les jours, nous devons faire cet effort. Alléluia. Nous devons descendre, nous devons monter. Et descendre, ce n'est pas un problème, mais monter, c'est quel est le problème. Regardez l'état de la voie. Regardez comment l'érosion a détruit toute la voie et il est compliqué pour le véhicule de venir jusqu'ici. Donc, nous devons monter. Alléluia. Nous devons monter jusqu'au sommet. Amen. Voilà. Donc, c'est vraiment difficile pour nous de, chaque fois quand nous voulons sortir, amen, de prendre le véhicule. Donc, le véhicule est obligé de rester au niveau du rail, c'est-à-dire au sommet de la voie. Amen, au sommet de la voie. Donc, voilà, nous faisons tous ces efforts chaque matin. Mais ça ne nous dit rien, nous sommes heureux. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a dit de prêcher le royaume en toute occasion, effectivement, en tout lieu. C'est ça. Amen, à toute occasion, bonne ou favorable. Favorable. Que soit les conditions. Insiste, réponds sans suivre. C'est ça. Voilà. Même dans les conditions les plus difficiles, le Seigneur nous a appris aussi à travailler. Donc, voilà, nous voulons partager ce moment avec vous, afin que vous, après vous montrer que nous sommes réellement déterminés à proclamer l'évangile du royaume. Quel que soit le prix à payer pour le salut des âmes, nous allons le faire parce que Jésus a payé le plus grand prix. C'est tellement de temps, c'est, oui, ça, c'est ça. Donc, voilà, voyez, le véhicule ne peut pas passer par ici, regardez. Notre véhicule ne peut pas passer par ici. Regardez comment la voie est dégradée. Non seulement la voie est dégradée, mais le sol est dur. C'est un sol vraiment... Le sol contient du fer, voyez. Et lorsque la voie s'est dégradée, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué de marcher par ici, mais de rouler, du moins, par ici. Mais nous, le Seigneur nous donne chaque fois la force, amen, de monter. Eh oui, c'est ça. De monter. Je me rappelle hier, il pleuvait, ouais, parfois sous la pluie, nous devons monter. En ce moment, il est en train de pleuvoir, il est en train de goûter. Amen. Donc, nous devons monter sous la pluie jusqu'à aller au sommet. Alléluia. Donc, nous devons faire au moins environ, disons, près de 700 mètres. 700 mètres de montée. Vous voyez? En ce moment, pendant que je vous parle, il est en train de pleuvoir. Amen. Il est en train de pleuvoir et nous devons monter. Donc, vraiment, Seigneur Jésus, nous t'aimons. Alléluia. Nous t'aimons, quelles que soient les conditions. Alléluia. Même si c'est nous devons aller dans la mer pour aller chercher les âmes, Seigneur, nous irons pour toi. Alléluia. Même dans le feu, nous irons chercher les âmes dans le feu. Gloire. Amen. À Jésus. Vraiment, peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur. Tout ce que l'apôtre Paul vous a expliqué, vraiment, c'est de la réalité. Parce que, regardez. Vous voyez les cailloux, vous voyez. Regardez. Regardez, c'est des roches. Les roches. Voyez. Parce que ici, c'est un endroit de rochers, des grands rochers. Et nous faisons tout le tour, chaque fois, tous les matins, nous faisons ce tour tous les matins, et nous devons monter chaque fois. Il pleut, hein? En passant par ces endroits rocailleux, ces endroits de roches, de pierres, et etc., etc. Et parfois, nous sommes obligés parce que nous allons, chaque fois que nous devons atteindre le carrefour, nous devons descendre de la voiture et marcher. Et faire ce tour régulièrement pour donner un peu de, c'est-à-dire pour permettre à la voiture de bien traverser. Alléluia. Et c'est vraiment, c'est pour Christ que nous le faisons. Nous ne voyons pas vraiment que nous ne voyons aucune ignominie, c'est-à-dire une honte en le faisant. Parce que nous sommes des fous pour le Christ. Nous sommes des fous pour Jésus-Christ. Et ce sont des occasions qui nous donnent des couronnes au ciel. Parce que pour avoir des couronnes au ciel, il faut supporter, il faut payer des prix. Nous ne pouvons pas chercher le confort du ciel et s'attacher seulement au confort de la terre. Non, nous supportons tout. N'importe quel endroit où nous traversons, nous sommes prêts à supporter. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, même si c'est dans la mer, nous y serons. Même si c'est dans la mer, nous y serons. Même si c'est dans la mer, nous irons pour délivrer les âmes. Même dans le séjour des morts,
Nous irons. On ira. On va ouvrir les tombeaux. Ah, nous allons ouvrir les tombeaux. Alléluia. Et nous avons 1000 ans, nous allons lever les pieds tombales. Alléluia. De Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. Donc, voilà. C'est une joie pour nous, vraiment. Les frères sont... De servir le Seigneur. Regardez encore les difficultés, voyez. Nous devons faire monter le groupe électrogène. C'est les difficultés que nous endurons tous les matins, tous les soirs. Les matins, au départ, les soirs, à l'arrivée. Voilà, vous voyez, il pleut sérieusement. Mais nous devons monter sous la pluie. Donc vraiment, nous sommes très, très heureux de servir le roi des rois. Voilà, l'évangéliste David avec le bien-aimé Samuel qui tient le groupe. Voilà encore une autre réalité que je vais partager avec vous. Vous savez, ici, nous n'avons pas le courant. Amen. Nous n'avons pas le courant. Le courant est seulement fourni les soirs. Les soirs entre 19h et 5h du matin. 19h, parfois, le courant peut venir à peut-être 20h, 21h. Et alléluia. Chaque 5h, on doit récupérer le courant. Donc, toute la journée, il n'y a pas le courant. Donc, nous devons subir toutes ces difficultés-là. Amen. Bien. Avant de servir le Seigneur. Donc, nous sommes très heureux et nous disons, Seigneur, même si nous n'avons pas les moyens, nous avons notre corps pour servir. Amen. Nous avons notre force. Si nous manque la force, nous avons juste notre âme. Amen. Alors, si nous manque notre âme, c'est que nous sommes déjà avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, je profite de l'occasion pour bénir le Seigneur pour la vie du bien-aimé David. Ah oui. Notre oui. chauffeur, notre conducteur, voilà. Qui vraiment passe tout son temps. Il laisse sa maison, il laisse sa famille. Et c'est le frère togolais qui habite ici à Conakry depuis un certain temps. C'est lui que vous avez vu dans la vidéo, qui chantait l'autre chant là. Godo. Nyadouji Godo. Ah. Godo. Nyadouji Godo. Oh. Hey, Jésus. Ça me dépasse. Amen, 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 amen. Nyadouji Godo. Et ça veut dire, nous allons être victorieux. Nous sommes victorieux. Ah, et nous, victorieux. Et nous demeurons victorieux en Jésus-Christ. La victoire. Alléluia. Ah, amen, amen. En réalité, tout ce que nous vivons actuellement n'est qu'une ombre de la gloire que nous espérons en Jésus. Alléluia. Nous sommes prêts à supporter tout pour Jésus. Amen. Nous sommes prêts à traverser. Allons-y, allons-y. Nous sommes prêts à traverser tout pour Jésus. Parce qu'il y a une couronne qui est au ciel. Alléluia. Il y a une couronne au ciel. Petits et grands, nous sommes prêts à parcourir ce territoire. Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Les anges par milliers parcourent le ciel et sont vêtus en habit blanc. Et toi, mon frère, pose-toi la question. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, ma sœur, pose-toi la question. Regarde bien le chemin. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Et toi, papa, alléluia, pose-toi la Jésus vous question. Aime. Alléluia. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Nous prenons chemin pour aller au ciel. Est-ce que tu pourras aller aussi? Alléluia. Amen. Le chemin pour aller au ciel est rocailleux, est épineux, est difficile. Alléluia. Amen. Voici une ombre du chemin pour aller au ciel. Voilà les cailloux qu'il faut traverser. Voilà les pierres qu'il faut traverser. Voilà les épines qu'il faut traverser. C'est pourquoi la Bible dit rechercher le ciel. Le chemin pour aller au ciel, le chemin est étroit. Alléluia. Mais le chemin pour aller en enfer est vaste. Et c'est là où beaucoup y entrent. Mon frère, le ciel est ta nouvelle demeure que tu vas chercher. Amen. Aucune religion ne te garantit le ciel, mais c'est Jésus seul le chemin. Amen. Les temps sont finis. Alléluia. Nous sommes venus ici pour annoncer
le retour de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Gloire Amen. À Jésus. Je profite pour fortifier les frères qui veulent faire comme nous. Parce que pendant que nous sommes en train de parler, il y a certaines personnes, je vois certaines personnes qui sont en train de dire dans leur cœur, mais comment arriver à cette dimension? Comment commencer à faire comme eux? Bien-aimé, fortifie-toi, place ta confiance en Jésus. C'est ça la voie. La voie voilà, c'est le chemin. C'est ça le chemin. Pour atteindre le niveau où le Seigneur nous a amené, il faut passer par ce chemin. Est-ce que tu es prêt à payer le prix, bien-aimé? Le Seigneur t'invite à vraiment prendre ton courage à deux mains, te lever de ton sommeil. Alléluia. Dis, Seigneur, le réveil dont ma nation a besoin, c'est par moi que tu passeras. C'est par moi que tu passeras pour délivrer les malades. Amen. Pour guérir ceux qui sont malades. Pour délivrer les opprimés. Parce que le Seigneur va commencer à faire des grandes choses dans ta vie. Et alléluia. Alléluia. On a pas de place là. Amen. Je veux aussi prendre part à la bénédiction. Nous aussi, on va prendre le groupe. Amen. Amen, amen, amen. Jésus. Nous voulons aller au ciel. Jésus. Alléluia. Pour aller au ciel, il y a un prix à payer. Amen. Alléluia. C'est le prix de brisement. Alléluia. C'est le prix de la mort, de la chair. Alléluia. Bien-aimé, il y aura de la boue sur le chemin du ciel. Alléluia. Tu vas glisser, mais continue le chemin. Le chemin est glissant. Le chemin est dangereux, mais continue, persévère. Fortifie-toi. Tu iras jusqu'au bout. Alléluia. Parce que Jésus-Christ revient. Et lui, le grand maître, il va te recevoir dans la félicité éternelle. Jésus-Christ est le véritable. Il est le véritable. C'est pourquoi nous sommes heureux de le servir. Nous sommes heureux de porter. Alléluia. Nous sommes heureux de porter la charge où il a laissé pour nous afin de porter la charge des fardeaux. Alléluia. Non, laisse. Non, nous voulons prendre la bénédiction. Laisse-nous. On veut payer le prix. Hein? Ah ouais, on va prendre ma bénédiction. Ah, moi, je vais porter ma croix pour la cocotte. Amen. Il faut aller devant. Pas devant, mon frère. Il faut aller devant. Amen. Oh, Seigneur Jésus, je t'aime. Alléluia. Si ma force physique s'épuise, je reçois la force spirituelle. Alléluia. En compensation. Amen. Le ciel reçoit les échos du réveil. Alléluia. Le ciel est content de ce qui se passe. Alléluia. Fortifie-toi. Amen, amen. Alléluia. Voilà notre véhicule. Alléluia. Le véhicule qui nous transporte tous les jours. Voilà, même la voie s'est dégradée. La voie que nous empruntons a changé l'éclat du véhicule. Mais le ciel va renouveler l'éclat. Amen. 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 Jésus. Toutes les nations sont prêtes d'être connectées à Jésus-Christ. Le réveil a lieu. Amen. Le réveil a lieu en Guinée. Amen. La Guinée a la lumière et veille à la lumière. Amen. Amen. Que la gloire de Jésus rayonne dans toute la Guinée. Amen. 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 Allez, on va partir.